vu, j'ai mis 17 minutes pour une spirale, un gros 35 minutes pour retourner les 63 plaquettes en comptant le déplacement de l'appareil photo. Donc c'est pas si long que ça. Faut dire que je l'ai fait dans des conditions qui étaient optimales. Je travaille assez peu les résineux, donc j'ai pas eu à faire de nettoyage. Si on doit parler technique, extrêmement important d'utiliser ce petit tournevis. Vous avez vu, il fait clac. C'est pas que je zippais, hein. C'est que c'est un tournevis dynamométrique qui, au-delà d'une certaine force, arrête, il déverrouille. Ce qui fait que toutes les plaquettes, elles ont la même pression. Et étant donné que on a pris soin de renettoyer en dessous, elles sont toutes bien au même niveau. Vous ne l'avez pas forcément vu, j'ai fait une planche d'essai, j'ai essayé de chercher au toucher les décalages, il n'y en a pas. Donc pour un premier retournement, au bout d'un an et demi, hein, je suis très très content de la manière dont ça s'est passé, et ça confirme que donc ces plaquettes, elles tiennent beaucoup beaucoup plus longtemps qu'un jeu de fer classique pour ceux et pour moi le premier qui avait des doutes sur la durée de ces tranchants. Si on doit faire un petit bilan, il va être extrêmement positif, hein. J'ai désespérément essayé de chercher des points négatifs sur cet arbre à plaquettes et il n'y en aura pas. Désolé pour ce passage en revue. Si vous cherchez à m'entendre dire que c'est pas bien, vous pouvez arrêter la vidéo, il n'y a pas de souci. Alors, en termes de temps, 35 minutes, c'est, on va dire 30 minutes si je compte pas l'appareil photo, c'est à peine plus de temps que ce que je mettais avant pour changer les trois fers sur mon ancienne machine. Le résultat, c'est une machine qui est réglée avant et après. Ça, c'est juste énorme, que l'on soit débutant ou professionnel, et j'ai envie de dire surtout débutant. Moi, combien de bois j'ai sorti de la dégo qui n'était pas bien droit, parce que à gauche, mes fers, ils étaient un peu plus haut ou là, ou alors j'avais des effets vaguelettes parce que j'avais pas des fers qui étaient tous à la même hauteur. Enfin, c'est juste pas comparable. Donc, un changement est à peine plus long qu'un réglage de fer classique. Et sauf que je ne l'ai pas fait depuis un an et demi. Ça doit être l'équivalent d'à peu près 5 affûtages. Ce qui fait que pour un jeu de fer classique, quand j'aurai tourné 4 fois, ça doit faire à peu près l'équivalent de 20 affûtages. Si vous comptez 20 affûtages, faites-moi un petit retour là dans les commentaires, mais il me semble que 20 affûtages, on doit être autour de 15€ l'affûtage. Donc on va dire que quand j'aurai fini d'utiliser ces fers, ça sera l'équivalent de 300€ d'affûtage économisé, ce qui est le coût des plaquettes à quelques euros près, hein, on va pas chipoter. Donc en termes de coût, on est sur quelque chose d'équivalent, et encore, je compte pas les fers, parce qu'au bout de 20 affûtages, à mon avis, ils sont à changer. Donc il y a, pour moi, il y a plus. Pourtant, ça me dérange, parce que j'ai un petit côté où j'aime bien quand j'ai des objets, le jetable, ça me saoule, quoi. Il faut dire les choses clairement. On est dans une société où on jette tout, on achète un truc, on le jette dès qu'on ne veut plus. Donc toutes ces plaquettes, finalement, ça me plaît pas, quoi. L'idée du côté jetable, c'est un peu pareil pour les fraises de défonceuse. Au final, des fers HSS, il faut les jeter aussi. Donc c'était le truc qui me gênait, puis le temps que ça peut tenir vraiment en termes d'affûtage. Toutes mes craintes, elles sont parties. Vous allez dire que je suis pas objectif, mais je vais le redire une dernière fois. Quelle que soit l'approche que vous allez avoir, en termes de temps, il n'y a aucune comparaison. En termes de coût, c'est à peu près équivalent. En termes de résultats, c'est sans comparaison. En termes de confort d'utilisation, c'est plus souple, ça consomme moins, ça fait moins de bruit. Le volume de copeaux, je n'aimerais pas que vous voyez derrière le stock qu'il y a, ça diminue. Et puis en termes de réglage, j'ai toujours une machine réglée. Donc je suis un affreux convaincu de cet arbre à plaquettes. Voilà, une fois de plus, j'ai trop parlé, je bafouille, je suis toujours mal à l'aise quand il s'agit de présenter des produits, parce que je me dis, ah là là, on va encore me dire que je fais de la pub et que je suis pas objectif. C'est pas grave, je tenais à faire cette vidéo, de toute façon je vous l'avais promise d'avoir un retour dans le temps. Je serais intéressé par avoir vos retours sur le prix d'un affûtage de fer,
Précisez bien le nombre de fers que vous avez, combien ça vous coûte. Sur votre utilisation, est-ce que vous avez un arbre à plaquettes? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça m'intéresse de lancer la conversation pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour tout ce blabla. Allez, à très bientôt. Bye bye.